Seul Jésus-Christ sauve. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1h21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14:6. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4:12. Car je vous ai livré premièrement ce que j'ai aussi reçu, que mon Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré. Qu'il ressuscita le troisième jour selon les Écritures, 1 Corinthiens 15 sur 3-4. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, Éphésiens 1 sur 7. Il y a quatre vérités que nous devons entièrement comprendre. 1. Dieu vous aime tellement, il veut que vous ayez la vie éternelle au ciel avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3:16. Il veut que vous ayez une vie abondante et significative avec lui. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10:10. Malgré cela, beaucoup de gens ne vivent pas une vie significative et ne sont pas sûrs d'avoir la vie éternelle parce que, eux, l'homme est pécheur par nature. C'est pourquoi il est séparé de Dieu. Tous ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. 1 Timothée 6:10. Le salaire du péché est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. La Bible spécifie deux types de décès, mort physique. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement, Hébreux 9:27. Mort spirituelle ou séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. Mais pour les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21 sur 8. Si l'homme est séparé de Dieu à cause de son péché, quelle est la solution à ces problèmes? Nous pensons souvent que les solutions sont la religion, les bonnes œuvres et les bonnes manières. Mais il n'y a qu'une solution de la part de Dieu. 3. Jésus-Christ est le seul chemin vers le ciel. C'est la déclaration de Dieu. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 sur 6. A payé la punition totale pour nos péchés. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair. Mais vivifié par l'Esprit, 1 Pierre 3:18. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, Éphésiens 1 sur 7. Il a la promesse de la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3:36. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6:23.
Nous devons croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Notre salut est dû à la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, non pas des œuvres, afin que personne ne se vante. Éphésiens 2:8-9. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10:13. Prière du pécheur. Priez ceci avec foi. Seigneur Jésus, merci beaucoup de m'aimer. J'avoue que je suis un pécheur et je demande votre pardon. Merci pour votre mort sur la croix, votre enterrement et votre résurrection pour payer tous mes péchés. Je vous confiance comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte votre don de la vie éternelle et je vous lance ma vie. Idemoi à obéir à tous vos commandes et à accent grave être plaisir à vos vues. Amen. Si vous avez confiance en Jésus-Christ, ce qui suit vous est arrivé. Maintenant, vous avez la vie éternelle avec Dieu. Et telle est la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6:40. Tous vos péchés ont été payés et pardonnés. Passé, présent, futur. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s'assit à la droite de Dieu, Hébreux 10:12. Vous êtes une nouvelle création au vu de Dieu. C'est le début de votre nouvelle vie. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici. Choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Tu es devenu un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Même à ceux qui croient en son nom, Jean 1:12. Les bonnes œuvres ne sont pas pour nous un moyen d'être sauvés, mais une preuve ou un fruit de notre salut. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a d'avance ordonnées pour que nous marchions dans elles. Éphésiens 2:10. Que Dieu te bénisse.